إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Le recueillement dans la prière, Roshoa. Le recueillement, c'est la réalité et l'essence même de la prière. Il signifie être présent avec son cœur, et c'est, quand on est en prière, la conscience d'être devant Allah, avec un sentiment de soumission et d'humilité, tout en participant émotionnellement à ce que l'on prononce de versets, d'invocations et de paroles de louange et de glorification. C'est une des formes d'adoration la meilleure et la plus noble, raison pour laquelle Allah a confirmé dans son livre que c'est une des qualités des croyants. Il en a effet dit « Qad aflaha al-mu'minun al-lazina hum fi salatihim khashi'un » Bienheureux sont les croyants qui sont pleins de recueillement et d'humilité dans leur prière. Premier et deuxième verset de la sourate Les Croyants. Qui a vécu le recueillement dans la prière a alors goûté à la douce saveur de l'adoration et de la foi. C'est pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, disait « Ma grande joie réside dans la prière » Hadith rapporté par Al-Nasa'i. L'expression « Qurratu Aini » « Ma grande joie » mot à mot « La fraîcheur de mon œil » fait allusion à l'immense joie, au bonheur, au sentiment de proximité divine apaisante et réconfortante, intimité sécurisante et au doux plaisir que l'on ressent du fait d'être dans la prière. Les moyens qui aident à atteindre l'état de recueillement dans la prière, il y a de nombreux moyens qui aident à se mettre en état de recueillement dans la prière, parmi lesquels il y a, premièrement, le fait de se préparer pour la prière. On s'y prépare en s'y rendant à la mosquée en avance, en ce qui concerne les hommes, et en pratiquant les surérogations qui précèdent la prière obligatoire, en mettant des habits beaux et convenables, et en y allant avec dignité et sérénité. Deuxièmement, éloigner de soi tout ce qui peut en détourner l'esprit ou l'embrouiller. Par conséquent, on ne prie pas en ayant devant soi des images ou des choses distrayantes qui occupent l'esprit ou en écoutant des bruits qui mobilisent ou captivent l'attention. On ne commence pas non plus la prière quand on a envie d'aller aux toilettes ni quand on a faim ou soif alors que la nourriture et la boisson sont présentes. Ceci afin que l'esprit du fidèle soit vide de toute préoccupation et qu'il se concentre sur la chose importante qu'il est sur le point d'accomplir, à savoir sa prière et sa confidence avec son Seigneur. Troisièmement, l'attitude calme et sereine au cours de la prière. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, adoptait une attitude calme et posée dans son inclinaison et son prosternement, de sorte que chaque os avait le temps de rejoindre sa position habituelle. Il ordonna à celui qui ne priait pas correctement de prendre son temps dans tous les gestes de la prière et interdisait de se presser en comparant cela, la rapidité dans l'exécution de la prière, aux gestes rapides du corbeau qui picore. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Le pire de ceux qui commettent des larcins est celui qui escamote une partie de la prière. » On demanda au messager d'Allah, comment escamote-t-il une partie de sa prière? Il répondit, il ne fait pas l'inclinaison et la prosternation complètement. Hadith rapporté par Ahmed. Or, celui qui n'adopte pas une attitude posée dans sa prière ne peut entrer en état de recueillement car la précipitation fait disparaître le recueillement et l'attitude consistant à becqueter comme un corbeau annule la récompense de la prière. Quatrièmement, avoir conscience de la grandeur de celui devant qui on se présente. On se rappelle d'une part la grandeur et la majesté du Créateur et d'autre part sa propre faiblesse et sa petitesse. On réalise
et on prend conscience que l'on va se mettre debout devant son Seigneur pour se confier à lui et l'invoquer dans la soumission, l'humilité et la contrition. On se rappelle également ce qu'Allah a préparé de récompense dans l'au-delà pour les croyants et ce qu'il a préparé de châtiment pour les infidèles. On se représente aussi l'instant de sa propre comparution devant Allah, le jour du jugement. Quand le croyant a bien à l'esprit tout cela au moment où il est en prière, il est tel ce qu'Allah a décrit dans son livre, c'est-à-dire ceux qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur. Allah le Très-Haut a dit « وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Elle est pesante sauf pour les humbles qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. Versets 45 et 46 de la sourate La Vache. Quand donc le fidèle qui est en prière garde bien présent à l'esprit qu'Allah le Très-Haut l'entend, lui donne et l'exauce, il accède alors à un état de recueillement et d'humilité intense dans la mesure de l'intensité de sa prise de conscience. Cinquièmement, méditer les versets lus et les paroles de louange de la prière et les vivre, les ressentir intérieurement, y réagir émotionnellement. Le Coran a été révélé pour être médité. Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, afin qu'il médite ses versets et pour que les doués d'intelligence se rappellent. Mais il ne peut y avoir de méditation que si on comprend les versets, les paroles de louange et les invocations que l'on récite. Dès lors, on peut réfléchir d'une part sur sa propre situation et réalité, et d'autre part sur le sens qu'apportent ces versets et ces paroles glorificatrices. Il en résulte alors du recueillement, de l'humilité et de l'émotion. Il se peut même que les yeux se mettent à déborder de larmes. Quand les versets sont récités, on n'y est pas insensible, comme si on était sourd et aveugle. Comme Allah, qu'il soit exalté, a dit وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Et qui, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, n'agissent pas à leur égard comme s'ils étaient sourds et aveugles. Verset 73 de la sourate Le Discernement.